Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. J'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, je vous présente la noix de cola. La noix de cola est utilisée pour aromatiser les sodas et comme complément pour augmenter l'énergie. Mais quels sont les avantages pour la santé de la noix de cola? Si vous aimez ce genre de contenu, likez, partagez, abonnez-vous et on commence de suite. C'est parti! La noix de cola est le fruit du colatier, Cola acuminata et Cola nitida, indigènes d'Afrique de l'Ouest. À l'intérieur des fruits, en forme d'étoile, se trouvent des coquilles blanches qui contiennent les graines ou les noix de cola. En médecine, les noix étaient mâchées pour leurs effets stimulants comme aide digestive, pour soulager les maux de tête et comme aphrodisiaque. Dans la Grande-Bretagne victorienne, le cola chocolate, une préparation à base de cola, de sucre et de vanille, était distribuée aux invalides et recommandée aux voyageurs pour apaiser la faim et soulager l'épuisement, tandis que le cola champagne était présenté comme un tonique et un stimulant nerveux. L'esclavage a amené l'arbre de cola en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, où les Africains, réduits en esclavage, ont commencé à cultiver la noix de cola. Les marchands d'esclaves transportaient des noix de cola sur leurs navires comme agent prophylactique médical ou comme aliment ordinaire. Cependant, c'est le biochimiste d'Atlanta, John Pemberton, qui a lancé la noix de cola avec son invention d'un tonique cérébral qui est devenu le soda pétillant le plus célèbre du monde, Coca-Cola. La boisson originale s'appelait Pemberton's French Wine Coca et a été mise sur le marché en 1885. Avec des feuilles de coca importées d'Amérique du Sud, ajoutant une touche particulière à ce qui serait autrement une simple boisson gazeuse, Pemberton a vendu le soda comme tonique nerveux, aide mentale, remède contre les maux de tête et remède contre la dépendance à la morphine. Au Nigeria, c'est un symbole culturel important pour de nombreux groupes ethniques. Il est donné aux invités lors des mariages, des funérailles et des cérémonies de baptême et est utilisé en médecine. Les noix de cola sont traditionnellement mâchées pour réduire la faim et la fatigue, faciliter la digestion et remédier à la gueule de bois. Elles peuvent également être séchées ou bouillies pour faire un thé. Dans les aliments et les boissons, la noix de cola est utilisée comme ingrédient aromatisant. Propriétés et utilisation thérapeutique. 1. Antioxydants. La noix de cola contient des composés phénoliques, des flavonoïdes et de la vitamine C qui aident à éliminer les radicaux libres du corps. Le piégeage des radicaux libres a des effets pharmacologiques bénéfiques sur les troubles neurologiques. 2. Riche en caféine et théobromine. Chaque noix contient plus de caféine que 2 grandes tasses de café américain. La caféine agit en stimulant le système nerveux central, le cœur et les muscles. La théobromine est également connue sous le nom de xanthéose. Les avantages de la théobromine comprennent potentiellement des effets diurétiques, l'élargissement des artères et l'augmentation du flux sanguin. 3. Cancer de la prostate. Bien qu'aucune étude approfondie n'ait été menée, les premières recherches indiquent que certains composés présents dans la noix de cola peuvent réduire le risque de cancer de la prostate. Selon Medical News Today, il a été découvert que dû à sa forte teneur en antioxydants, l'extrait de noix de cola limite la croissance des cellules cancéreuses et peut aider à réduire l'incidence du cancer de la prostate. La recherche fait toujours l'objet de débats, mais on pense que les phytoœstrogènes contenus dans les noix de cola peuvent également tuer les cellules cancéreuses et empêcher la croissance des tumeurs. 4. Perte de poids. La recherche montre que la consommation d'extraits de noix de cola augmente l'activité du système nerveux et agit comme un coupe-faim. La noix de cola est également connue comme une herbe thermogénique et en tant que telle, elle est souvent utilisée comme ingrédient dans les suppléments de perte de poids à base de plantes. Elle est riche en xanthine et en polyphénol. Des recherches récentes relient ces deux composés à une activation de la thermogénèse
et, par conséquent, à de possibles traitements de l'obésité. 5. Améliore le métabolisme. Les noix de cola sont des stimulants, elles contiennent une grande quantité de caféine et de vitamine C. Elles stimulent le taux métabolique corporel. Selon une étude publiée dans l'African Journal of Biotechnology, elle peut augmenter le taux métabolique de 118%. Les personnes ayant un métabolisme lent pourraient donc bénéficier de l'utilisation de produits contenant de la noix de cola. Consommée avec modération, elle permet à l'organisme de brûler et de consommer de l'énergie de manière optimale. 6. Source d'énergie. Les noix de cola contiennent des nutriments qui peuvent aider à augmenter votre niveau d'énergie, notamment les vitamines B et le magnésium. Des recherches récentes ont montré que la caféine qu'elles contiennent augmente la circulation et l'oxygénation dans le corps. De plus, la noix de cola est chargée de glucose, qui est le carburant principal pour le cerveau et la source d'énergie pour tout le corps. Bien qu'elle puisse fournir une poussée d'énergie rapide lorsqu'elle est consommée sous sa forme brute, elle peut également être trempée dans de l'eau pour donner un effet plus soutenu. Ce processus, connu sous le nom de trempage, peut créer une infusion de nutriments bénéfiques pour le corps et l'esprit. 7. Peut stimuler la circulation. Une étude a révélé que l'extrait de noix de cola augmentait le flux sanguin jusqu'à 45% chez les personnes atteintes d'une maladie artérielle périphérique. La théobromine agit comme un vasodilatateur, dilatant les vaisseaux sanguins et augmentant le flux sanguin, donc l'oxygène, et les nutriments dans le cerveau. Les noix de cola peuvent ainsi stimuler l'oxygénation de certaines parties essentielles du corps, notamment la peau, les organes et même le cerveau. Cela peut également favoriser la cicatrisation des plaies et la réparation cellulaire. 8. Peut améliorer la digestion. En tant que stimulant, elle facilite la libération d'acide gastrique dans l'estomac qui à son tour accélère la rupture des aliments. La présence d'acide gastrique dans l'estomac inhibe la croissance des bactéries pathogènes. Les noix de cola sont utilisées depuis des siècles pour traiter la constipation et d'autres problèmes digestifs. La quantité d'antioxydants et de fibres aide à réduire l'inflammation et à stimuler le tube digestif, soulageant finalement la constipation. 9. Stimulation du cerveau. La noix de cola contient environ 3% de caféine et environ 2% de théobromine. Ces deux composés contribuent à l'augmentation du flux d'oxygène dans le cerveau, stimulant la fonction cognitive et la vigilance. C'est pourquoi les noix de cola sont parfois appelées boosters cognitifs, car des niveaux accrus d'oxygène dans le cerveau ont été associés à des niveaux potentiellement plus élevés de cognition et de concentration. De plus, sa teneur élevée en caféine inhibe la production d'adénosine, le neurotransmetteur qui favorise le sommeil et supprime l'éveil. Ainsi, la noix de cola agit en améliorant la vigilance, la concentration, le temps de réaction et l'énergie physique. 10. Migraines. Des études suggèrent que la prise de noix de cola peut réduire la gravité et la fréquence des migraines en réduisant la douleur, améliorant la circulation sanguine et offrant une protection antioxydante. La noix de cola gagne en popularité en tant que remède naturel contre les migraines. Les migraines affectent souvent les vaisseaux sanguins de la tête et la caféine a été largement utilisée pour les maux de tête. La théobromine et la caféine élargissent les vaisseaux sanguins dans le cerveau, ce qui pourrait diminuer la douleur migraineuse en améliorant la circulation sanguine. 11. Asthme. La caféine et la théobromine contenues dans les noix de cola agissent comme un bronchodilatateur, ce qui signifie qu'elles ouvrent les voies respiratoires pour faciliter la respiration. La noix de cola, lorsqu'elle est consommée, aide à décongestionner et à dilater les bronchioles qui, à leur tour, traitent tous les symptômes attribués à des maladies respiratoires telles que le rhume, la grippe, l'asthme et la bronchite. 12. Diabète de type 2.
Dans une nouvelle étude, les experts ont découvert que l'extrait de noix de cola infusé a des propriétés antidiabétiques dans des conditions de laboratoire. Elle a provoqué un épuisement significatif de la glycémie et du mauvais cholestérol, tout en stimulant la production d'insuline et de niveaux de bon cholestérol par le corps. Son effet a été comparé à la metformine, le médicament conventionnel pour réduire la glycémie. 13. Amélioration de la santé bucco-dentaire. Parce que les noix de cola sont généralement mâchées, les scientifiques se sont penchés sur leur efficacité dans la prévention des caries et le traitement des infections buccales. La recherche indique qu'elles ont des propriétés antimicrobiennes qui combattent les agents pathogènes dentaires et éventuellement d'autres infections. 14. Anti-inflammatoire. Une étude a révélé que des composants des noix de cola peuvent empêcher le corps de fabriquer des cytokines qui provoquent une inflammation. Une étude de 2019 a déduit que l'extrait de noix de cola a été associé à une réduction de l'enflure et avait des effets analgésiques. 15 peut aider au traitement de l'arthrose. Dans une petite étude portant sur des patients souffrant d'arthrose du genou, ceux qui ont pris de l'extrait de noix de cola pendant 8 semaines ont eu beaucoup moins de douleurs et de raideurs que ceux qui ont pris un placebo. L'extrait de noix de cola peut également aider à protéger le cartilage contre d'autres dommages. 16 peut stimuler le système immunitaire. Ces antioxydants peuvent aider à neutraliser les radicaux libres ainsi qu'à accélérer le mécanisme de défense contre les micro-organismes. La consommation de noix de cola améliore systématiquement votre immunité et vous rend moins sujet aux maladies infectieuses. Elles améliorent également la fonction de la barrière intestinale, ce qui aide à garder les bactéries nocives hors du corps. 17. Aphrodisiaque. Dans son Afrique natale, la noix de cola a longtemps été utilisée comme stimulant de l'humeur et stimulant sexuel. Elle contient trois composés actifs qui stimulent le système nerveux, la caféine, la théobromine et la cholanine. Et c'est cette puissante combinaison qui serait responsable des effets aphrodisiaques de cette herbe. Puissant vasodilatateur, la noix de cola est également indiquée en cas de dysfonction érectile. Elle aide à élargir les vaisseaux sanguins vers le pénis, ce qui permet à son tour une augmentation du flux sanguin. 18. Pression artérielle. Une étude sur des rats a étudié l'effet diurétique des noix de cola. Les chercheurs ont découvert que la noix de cola augmente la production d'urine sans provoquer de déséquilibre électrolytique ni endommager le foie et les reins. Elles peuvent ainsi jouer un rôle dans le traitement de l'hypertension artérielle en réduisant la quantité de liquide dans le corps. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avance pour tous vos likes, partages et commentaires. Un grand merci si vous venez tout juste de rejoindre ma chaîne. On se retrouve très prochainement pour plus de vidéos et d'infos. Très bonne santé à tous. À bientôt.